Yo tout le monde, c'est Tiop, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette 16e, déjà la vache, 16e épisode de Rome de Total War dans lequel on joue les Alains. Effectivement, on se retrouve avec un siège à ce niveau-là. Et une armée ici qui n'a plus beaucoup de déplacements. Commun, 0 tour avant addition. Ah oui. Qu'est-ce que j'avais fait? J'aimerais bien savoir. Alors. Oui, eux on avait dit on va les emmener à Trapezos. Donc. Leur donner un peu de renfort, peut-être pas leur donner les unités les plus fatiguées. Voilà. Là, on a, ah oui, voilà. Cette nouvelle unité qui d'ailleurs aura pour nom les mots fléchés. Mots fléchés. Fléché. Attendez, j'ai un doute. J'ai un doute. Oui, c'est ça. J'avais un doute sur le sens de l'accent. Donc voilà, c'était proposé par les villes coyotes. Et j'ai trouvé très intéressant le triple jeu de mots. Les mots, M-A-U-X, hein, le mal. Fléché avec les flèches, bah, les unités à distance, forcément. Et puis le jeu de mots terminal, bah, les mots fléchés, hein, du fameux jeu, je pense que vous y avez tous au moins joué une fois ou déjà entendu parler. Alors oui, j'avais réussi à m'en sortir avec cette unité-là, mais difficilement. Donc, on va fusionner les unités et on va recruter des mercenaires. Qu'est-ce que... Putain, pardon, mince, ce sont les marcomans. Forcément, hein, il a profité de mon avance et il s'est dit, ah, vas-y, c'est gratuit, les gars. Je vais encore perdre cette ville. Je vais pas réussir à prendre une seule ville, quoi, c'est pas vrai. Ah, c'est compliqué, là. C'est compliqué, là, les gars. On va continuer à recruter, du coup, bah, pour des mots fléchés. Hein. Forcément. À moins que je te défende ici dans un premier temps, ouais. Ça va être tendu. On va essayer d'assassiner. D'accord, bon déjà, ils ont perdu leur général. Ça c'est bien. Ici. On réduit les esclaves. Voilà, ça baisse le moral. C'est parfait. Ici. Une sortie, est-ce que j'ai défaite de justesse? Ah. Ah. Ça c'est embêtant. Même sans général, ils ont un peu l'avantage. Hein. Ça c'est. Ouais. Après, ils ont quoi? Ils ont quelques archers, lanciers. Des frondeurs anatoliens. J'ai une seule unité de corps à corps. Pas facile. Bon bah on va quand même essayer de la gagner celle-là. Hein. Donc je vais mener la bataille sur le champ. Elle est disponible bien sûr en fin de vidéo. Et pour les autres, bah, on se retrouve de suite.
Alors, sec. Très bien. On est sur un terrain à peu près plat. On va rétrécir la longueur, la largeur, je veux dire, de tout ça. Là, on est à peu près correct. Hein. On va pouvoir en retirer, bon, je pense. Ça sera peut-être mieux. Ok, ça a l'air bon. Fondeur. Ouais, le but ce sera d'attirer, je veux dire, la cavalerie, hein, évidemment. Pourquoi ils veulent pas avancer? Ah si, d'accord. Ok, on va le maximum en avant pour avoir de quoi reculer. Bien évidemment, en mode escarmouche. J'ai des renforts là à l'arrière. Hop, on va pas avancer plus que ça. Voilà, on attire la cavalerie. Donc ils sont tous en train de lancer une première salve. Ils veulent plus reculer. Ah, ça sent embêtant. Mais qu'est-ce que... Ok, là je vois que j'ai des renforts, mais je suis pas chaud. Ok, je vais essayer de basculer comme ça sur le côté. Cavalerie à cheval. Hop, un petit rechargement rapide. Ça pourrait être... Ils ont vraiment loupé là toutes les flèches qui sont passées juste au-dessus. Ça c'est moche. Attention là-bas. Voilà, si je pouvais emmener quelques unités là. Le bord de la map est là-bas. On va les emmener de l'autre côté. C'est pas bon là. Là je m'en tire pas trop mal, mais de l'autre côté c'est pas bon du tout. Hop, allez, on emmène tout le monde, le plus vite possible. Là. Ils savent pas où aller. Hop. Tous se retirer par là. On a un échappatoire qu'on va utiliser, hein, les gars, clairement. Attention là, vu derrière, on a les cataphractaires ici. Là il les attire, là c'est plutôt pas mal, on les attire ici. Ok, on recule tout ça, on recule tout ce beau monde. La même punition, j'ai envie de dire, entre guillemets. Ça va bientôt mourir, j'espère. J'avais des unités là par là, oui, très bien. Il y a le temps avant d'arriver en bordure de map. On va les faire reculer jusque là. Je pense que ce sera pas mal. Attention, je vois qu'il y en a qui se prennent des tirs à distance. Hop, ils se prennent une charge ici, on se retourne vite. Surtout que c'est l'infanterie légère, tout ça. Pas très très grave en cas de perte. Oh, attention, le bord de la map est pas loin. Ouais, yep. Attention là, même principe, hein, cataphractaire. J'ai vu les cataphractaires ici là. Aïe aïe. Ah merde. Passe ça. Ah putain, et il arrête de courir ce con. Ok, il cherche le général, hein, et le reste s'en fout quoi, mais ah, par contre. On retire le mode escarmouche, eux ils sont totalement perdus, ils savent pas ce qu'ils font. Allez les gars, on court. Voilà. Bon, ici j'ai perdu quelques unités, c'est pas très très grave. Là-bas on est plutôt pas mal. Tout le monde, je les mets en mode garde, je vais zapper ça. Il y a encore un peu de cavalerie là. Ok, c'est pas très grave. Ok, on va regrouper tout le monde en même temps. On a déjà eu de la perte, mais au moins, c'est
débarrasser d'une bonne partie de sa cavalerie à lui. Et je vais même lui dire, j'ai encore de la cavalerie corps à corps, quoi. Ah oui. On arrête le feu à volonté. Voilà. On va décaler tout le monde ici. On le réactivera quand on sera hors de portée des unités légères ennemies, parce que les unités légères, on s'en débarrassera tranquillement. Alors voilà lui. On va mettre ici. Alors on refait un petit coup de tir à volonté là, vu qu'on se rapproche. Enfin, la cavalerie ennemie se rapproche rapidement. Voilà. Voilà, c'est efficace. C'est ce qu'on veut. Ici, c'est bien. Bien évidemment, on fait reculer la cavalerie de mêlée. Actuellement, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin, je veux dire, de... Enfin, on n'en a pas besoin. Allez, on recule. Toujours pareil, hein, éviter de tirer sur les unités légères ennemies. Là, il y a tout ce qu'il faut comme cible. Ouais, voyez, hein, ça fait le café. Ils sont tenaces, hein, ils sont tenaces. Hein. Très peu de dégâts. Lui il est tout seul, il continue sa charge. Ouais, les 4 infracteurs là. Ouais, ils sont pris entre 3, 4, 5 feux là. D'accord, lui il fonce dedans, c'est en mode arrêtez le feu les gars, attends. Non, non. J'ai fait une bourde les gars, je leur ai demandé à tous de descendre. La bourde. Et ils veulent pas remonter. Je ne sais pas pourquoi, ils veulent pas remonter. Purée. Toute ma cavalerie se barre, je sais pas pourquoi. Je vais même pas leur demander, genre tous mes chevaux sont barrés en fait. C'est pas bon du tout ça. Allez, remontez tous là. Je veux pas savoir. Cette cavalerie qui se barre quoi. On est obligé de reculer. Hein. Mais escarmouche ? Ah non, ils veulent plus. D'accord, je pensais les avoir quand même mis en escarmouche, et bah apparemment non. Regardez-moi tous ces chevaux là. Ça n'a aucun sens. Ça n'a. Oh non. C'est foutu. J'avais pas vu qu'il y avait encore une unité de pétafractaire là. Je vais essayer de les attirer avec, avec eux. Non, ils veulent pas, si. Ça passe. Faut que je feinte, j'ai pas trop le choix. Ah, ça aurait été tellement simple si j'avais pas fait cette bourde. Allez, on décale, on n'a pas besoin de se prendre de salve là. Voilà, allez. Et sinon, vous voulez pas genre tirer sur lui là? Voilà. Allez, on recule un peu. On fait ce qu'on peut. Là, les frondeurs, ils ont pris.
Ils ont presque ce qu'il fallait. Hein. Ils ont pris cher. Est-ce que j'ai encore des munitions? Oui, j'ai quelques unités à munitions. Ici, 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 ici. Ok, tout ce côté-là, on a un peu encore. Ça me fait du bien. Ok, je vais faire une charge quand même, faut pas déconner. On est comment? On est toujours en escarmouche? Oui, ça a l'air d'être bon. Enfin, une escarmouche qui est quand même très très près. Hein. Ah putain, ils ont de l'infanterie, le roi du mortel fait. Okay. Allez, je cours vers eux là. Voilà, je leur demande de tirer là-dessus. J'ai pas demandé aux unités qui ont plus de munitions d'y aller par contre. C'est ok, fais attention quand même, hein, ce serait con de choper des unités au corps à corps comme ça. Sur la poire. Ok, tout là-bas. On a vu qu'il restait certaines unités. Faire attraper. C'est pas bon, ils avaient du mal le général. Alors recule, je vais pas savoir. C'est cavalerie légère, ok. On va poursuivre ça un peu là. Juste pour le plaisir quoi. Ok, ici on va derrière, faut pas que le général il se fasse avoir. Oh merde. C'est bon, ça a tenu. Allez, un petit coup de prestance, ça va faire du bien. J'aurais dû. Ah merde, attends, je pensais que prestance ça faisait du moral. Principalement du moral. Oh yes, oh les gars, bah, c'est une victoire. Je sais pas comment. Allez, montez. Récupérez vos montures. Et je vais me débarrasser là de toutes les unités là qui ne servent à rien ici. Enfin de l'infanterie immortelle. Qui fait mal. Voilà. Ah mince. Ah, ça me fera XP mon général en plus. Ashlultum. Ashlultum. Je ne sais pas comment ça se prononce. Ouais, désolé s'il y a un Ashlultum dans. Parmi vous. Qui regarde quoi. C'est peu probable, mais on sait jamais. Donc. Allez, on va finir là. Compliqué, mais. Au final, j'ai quand même réussi à lever le siège, à lui faire beaucoup plus de pertes que moi. Donc c'est une belle victoire. Victoire dite de justesse, mais beaucoup de pertes chez l'ennemi, donc c'est très rentable. Et je me demande même si, malgré une grosse erreur d'ailleurs, j'ai fait une énorme erreur pendant la bataille. C'était, enfin, je vous laisse aller voir. Hop, tiens, on va même finir l'ennemi. On relâche. Ça ouvre la voie. Sur cette ville, sur ce village, que je vais piller sans retenue. Sans retenue aucune. Très bien tout ça. Je m'en sors vraiment pas mal. J'ai un pic ici. Bon, ça me va.
Allez, on va avancer ici. Je sais pas si on peut. Ouais, non. Ah oui, vu que j'ai mis des renforts du coup. On se bouge. Forcément, ça limite la distance. Ouais, il y avait eu un séisme ou je sais pas trop quoi ici. Ouais, on profitait pour réparer. Là, ça coûte cher. Ah. Ça coûte cher, mais il le faut. Je vais en racheter un de chaque. Voilà. Et je pense que le reste ce sera les archers cataphractaires des steppes. Voilà, bien bien tanky comme il faut. Plus long du coup, plus lent. Voilà, ça sera pas d'unité légère. Hein. Ça devrait être de... Je me demande même si ça sera pas de l'unité lourde. Ça va être le point faible. Donc il va falloir changer un peu la manière de faire. Là, les flèches de Guadoziros, j'irai piller Nicomédia avec, parce que là je vois qu'il a pris toute Achaïa, Macédonia, etc. L'ami romain. Quant à lui, oui, c'est vrai que j'avais même pas fini le tour. C'est le premier. Y a-t-il un souci près de Bactria? Non. Eh ben, c'est parfait. On va terminer le tour comme ça. Un long tour, hein, quand même. Ça aura pris du temps. Effectivement, avec avec à peu près 4 fronts ouverts, 4 possibles fronts. Enfin, j'en ai 1, 2, 8 en repos là-bas, 3 à l'ouest, 4, 5 là au niveau Sassanide et ouf, ouf. Ah bah il y a du monde les gars. Oh bah il y a du monde hein. Mais Ville Coyote, va falloir tenir. Hein. Alors, 1809. Oh la vache. En vrai là. 1809 contre 6100. Attendez. 6200. Autant pour moi. Ah, va falloir. Après, c'est de l'unité pas ouf, hein, l'ancien oriental. Oriental, pardon. Et que Montagnard, quelques archers là. Quelques archers à cheval ici, pareil. En vrai, c'est très facilement gagnable. Bon, bah, je mène la bataille sur le champ. Hein, je vous invite, je pense, à aller voir celle-là. Soit je me fais totalement. Bah. Comment dire ça, proprement? Soit c'est une lourde défaite, soit c'est une lourde victoire. Mais il n'y aura pas, oui, 50-50. Non, là, ce sera décisif. Surtout là, contre trois armées entières. Allez, donc je mène la bataille sur le champ. Bien sûr, la bataille est disponible en fin de vidéo, sinon on se retrouve de suite. Oh, cette bataille, les gars. C'est parti, donc bataille opposant mes villes coyotes à trois autres armées. Purée. Alors, bon, on va faire classique au classique. Voilà, des choses qui marchent bien. Voilà, quelques chevaux de frise ici. Le reste là. Je vais également faire des lits de pierre coupante ici. Et ici. Parce qu'il va falloir que je divise mes. Peut-être un peu trop là. Non. Ce qu'il va falloir, pardon, que je disais. Il va falloir que je divise mes piquiers. Sachant que je ne sais pas du tout d'où vont venir les renforts là pour le coup. C'est un peu le mystère. Voilà, je pense que ça ira pour une formation. En premier temps de ce côté.
Là, je vais étendre au maximum cette formation. Un peu plus, même si je peux. Parce que j'ai peur qu'ils se prennent des tirs de là, en fait, en latéral. Mais vite, tant qu'à faire, autant. Ouais, une seule unité qui prenait pas deux. Ici, je remets une autre petite unité. Voilà, si jamais ils veulent tirer dessus. Bah, elle sera protégée. Et il me semble que j'en ai une dernière. J'ai bien compté. Deux dernières, ouais. Que je vais mettre là dans un premier temps et que je bougerai en fonction. Ensuite. C'est là que ça se complique, c'est que j'ai beaucoup de cavalerie corps à corps. Enfin, j'ai beaucoup de cavalerie tout court. Et que là. Je vais pas avoir le choix que de laisser dans le camp en fait. Quoique non, il en a pas tant que ça lui de la cavalerie, donc je peux sortir ma cavalerie en fait. Hein. Allez, je vais faire comme ça, ça va simplifier tout ça. Je les ferai sortir. Comme ça, ça cassera un peu tout le bazar là qu'il y a, qu'il y a ici. Et ça aidera à la mobilité de mes unités si jamais j'allais bouger dans le fort. Ça, prêt, ouais. Bon, les gars, c'est parti. Merde. C'est parti, il commence, il fait déjà n'importe quoi. Lui. Alors, des premiers renforts par là-bas. Ok. L'assassin, est-ce que ça a écrasé quelques tentes? Oui, ça en aura un peu plus. Navigable tout bazar. On a deux unités et demie, donc des tirailleurs, ok. Alors où est-ce qu'ils tirent? Ça c'est une bonne question. Ouais, ça passe. Ouais. C'est bon. Ça prend de bons dégâts, de bons dégâts. Là ça sort petit à petit, hein. plutôt correctement. Efficacement. Là-bas, on peut voir qu'il y a deux unités de cavalerie, je suppose. Lourde et lourde. Ah. J'ai pas envie de me battre directement contre eux. Je vais faire sortir ma propre cavalerie. Je vais la faire aller ici. Quelques frondeurs. Je sais pas où est-ce qu'ils vont aller. Projectile. Là par contre, peut-être faire que je me décale là. Juste pour la cavalerie dans ce projectile. Alors là ça tire où? Ouais, comme je disais les gars. Vous voyez? Ces fameuses. Je commence à les connaître. Allez hop, on va décaler vite fait avec notre cavalerie de mêlée. Là ça donne quoi? Fondeur, ouais. Pire, c'est pas très grave s'il y a que ça. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il va quand même pas me faire le tour jusqu'à moi. Il tire comment? Il tire. Je sais pas. En fait, ils se prennent des flèches, mais sans se les prendre. Voilà, on va quand même éviter de se prendre des tirs gratuits. Attention, ils sortent leur lancier là. Mais bon, ce qu'ils ne savent pas, c'est que j'en ai un à faire deux. Allez, on recule. Toute cette cavalerie là, je l'emmène derrière. Juste pour eux là. Voilà. Petit coup de morale, ça fait toujours du bien. Là, les frondeurs, ils en peuvent plus. Ici, toujours. Alors, je fais attention quand même à eux. Parce qu'ils sont pas en mode escarmouche. Ouais, voilà.
là, et voilà. Alors, objectif, j'ai envie de dire secondaire. Qu'est-ce qu'il fait Il est perdu, lui, ou quoi? Donc, des objectifs secondaires hein, étant de. Sérieux? Oh, j'ai dû tirer sur mes propres alliés, quoi. De laisser le moins de survivants possible, hein, bien évidemment. Donc. Là, je vois que c'en est bon ici. Eux. Ouais, bon, allez. Ici, on retire le feu à volonté. Bien évidemment, on retire le mode garde. On met le mode garde, pardon. Voilà. Ok, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va resserrer la formation avec double piqué. Il a pas obéi là. Allez, double rangée de piqué, ça passera moins. Oui, ils sont tout seuls là, il se passe comment là, en forme. Ouais, ça fait le café. Ici, ça tient comment? Ça tient très très bien. On va mettre un tout petit peu de renfort là, enfin le peu qu'on a là. On le voit ici. Maintenant tous les renforts viennent de là-bas. Pourquoi vous me dites mais pourquoi tu fais pas de charge? Il y a encore des pieux là je crois, des trucs comme ça qui traînent là. En vrai je pourrais. Mais ils tiennent tellement bien que je vais pas risquer. Là-bas, je vois des frondeurs orientaux. Je vais envoyer deux unités de cavalerie. Ça sera peut-être même trop tard. Archer, merci, archer. Ok, eux, je vais les faire décaler. Et je vais même leur dire d'activer le mode corps à corps. Pour chasser les unités à pied. Ouais. Allez, on chasse les frondeurs là-bas. C'est un peu trop tôt. En fait, c'est pile quoi, il fallait pas. Là, ils sont serrés, mais va falloir. Et ils sont très groupés, donc c'est pas le meilleur moment. C'est même pas le meilleur moment du tout. Voilà, une bonne charge là. Abuser des bonnes choses. J'ai pas envie qu'ils te prennent de salve là. On a fait fuir l'unité ennemie, c'est très bien. Pas besoin de plus. Alors, attention tout de même là, qu'est-ce qu'ils font là? Ok. Là-bas. Poursuivre. Et d'ailleurs, je vais remettre le mode garde. Retirez, je veux dire, le gars. Vous les gars, on se calme. C'est guerrier à la hache, ça a de la munition. C'est une tête piquée qui veut pas y passer. Voyons voir où on sont mes champs de frise. Non, pas bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une charge. Voilà, là je vois qu'ils sont encore à corps. Ah, attention. Attention pourquoi, ce que j'ai vu ici, des archers à cheval, c'est pas vraiment ce que je voulais, mais bon, pas trop chaud. Là on a réussi notre charge, on décale, il faut juste pas les laisser faire un tir gratuit. Tire dessus, là ça se passe très bien jusque là. S'ils veulent bien, là on aura un deuxième. Ah bah alors toi, ça sera jamais dû te mettre là. Hop, voilà. Ah bah les deux, allez hop. Petit coup de draco. Ici, on arrête le feu à volonté et la poursuivre.
vachement bien là. Ah, c'est pareil, ils veulent pas. Voilà, allez hop, au général on peut le retirer maintenant, je pense que ça devrait le faire là. Pas du tout, je vais prendre une salve. Une méchante salve parce que ça se regroupe dans la forêt. Et... pas trop corps à corps quand même ces unités là. On va y renvoyer un peu juste vraiment nos unités de corps à corps justement. Ce qui est mieux pour gérer des unités. Deux corps à corps que des unités distance. Je sais pas si c'est très clair, hein. Je dis 10 fois corps à corps en 2 secondes de mille. En gros. Ah d'accord. Ah ouais. Bon bah faut poursuivre. Les gars. Je veux que vous poursuiviez toutes les unités de mille. Alors ça va jusqu'où? Ça va jusque là-bas. Ah non. Voilà. 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 Je pense que ce sera pas mal comme ça. Ils sont attaqués mon général là par des... Ah c'est les flèches saloperies de toi. Eh bah j'ai l'impression. On vérifiera bien entendu mais j'ai l'impression que c'est une victoire écrasante. Hein. Hop là on passe sur le côté parce qu'il y a toujours plein d'unités là qui s'accumulent. Voilà un petit coup de morale, là. C'est toujours bien. Là-bas. Ok, ça a pas rattrapé. Hein. Là, ça en a rattrapé certaines. Eh, quand même, hein, une bonne moitié. Là, même tarif. Hein. Pas laisser partir comme ça non plus. Allez, on va s'arrêter là. Ah, j'ai hâte de voir les stats. Ah, ouf. Ah, 7200. Ah oui, j'étais en plus, je m'étais trompé de 1000 unités. Donc 1809 contre 7200. Bon, les gars, le ratio est pas dégueu. Hein. On a un mort pour 10, 20, presque 30. Un mort pour 28 et demi. Donc, une très belle victoire. Une victoire écrasante, héroïquement écrasante, j'ai envie de dire. S- 214 morts, voilà, comme disait un mort pour 28 et demi. Merci les piquets. Les piquets dans une forteresse, tu passes pas. Si t'as pas d'artillerie, tu passes pas. On va relâcher, ça nous fait pas beaucoup d'argent, c'est dommage. Mais, 3 armées en moins. Oh les gars, ça c'est magnifique. Oh ça c'est... c'est très plaisant. Ah oui, c'est vrai que j'ai changé exprès le général pour aller recruter, c'est pour ça que j'ai moins de... qu'il y a moins de... comment dire, que ça m'a pas coûté, enfin que j'ai pas beaucoup eu d'argent, ça m'a pas rapporté beaucoup, voilà, de relâcher les unités de mille. Oh, je vais y arriver, hein. Ah bon. Faire une embuscade. Ça dépend de l'assassinat. Tiens. C'est toujours ça. J'aimerais bien les finir quand même. Voilà.
Ouais. Bon. Il y a des jours où bon, ça veut pas, ça veut pas. Mais qui là? Tiens non. Recruter du mercenaire parce qu'on voit que là ça se rapproche en plus. Ah, j'ai pas envie spécialement de la jouer sur le champ celle-là. Mais bon. Quand on voit les pertes. Quand on voit les pertes, ça donne pas envie de la faire en résolution automatique. Donc bah, je la joue manuellement. Bien sûr, elle est disponible en fin de vidéo. Pour les autres, on se retrouve de suite. Alors. Là, 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 là. Bon. Alors, merde, je fais commencer le déploiement alors qu'il y a du brouillard. Purée. Je sais pas ce que j'ai foutu. Il y a des joueurs, ça veut pas. Hein. Oui, parce que qui dit brouillard dit moins de portée des projectiles. Voilà. Autant dire que bah, c'est pas bien. Voyons voir, au niveau largeur on est. Ok, on est correct. Allez hop. C'est tout le monde. Par devant. Voilà, faut monter. Alors ça charge, hein. Ah, il charge quoi. Tir enflammé pour les premières salves avec contre les éléphants d'Afrique. Ah non, d'Inde, pardon. Hop, pas besoin de s'avancer autant. Voilà. On n'hésite pas à reculer. On va passer sur un tir de base. Ok, j'ai pas mis le mode escarmouche, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, on n'hésite pas à reculer, là surtout contre ces unités-là, on va avoir l'avantage. Comment avec les éléphants là-bas? Ouais, regardez. Ah zut. Juste avant que ça fasse des pertes chez l'ennemi, pas dommage. Là, c'est parfait. On recule encore. On va y envoyer. Hop, 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 hop. Alors. J'ai pas eu le temps d'enchaîner mes ordres. Voilà, on passe au mode escarmouche. Hop, il tire là-dessus. Pire escarmouche de l'univers, ça. Non, 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 toi tu restes. Le général, on fait reculer. Hop, si ça va sur mes archers, c'est pas un souci, hein. Petite unité pourrie là. Le faire le feu, on a l'avantage. Par contre, faut tirer les gars au moins, faut faire des dégâts quoi. Non? C'est comme là, ils veulent pas. Vraiment, ils sont full life quoi. Bon. Eh ben, écoutez, je vais faire un rechargement rapide. Toi, tu vas leur faire un petit coup de prestance parce qu'apparemment bah, c'est des pencus. Hop. Attends, comment ça? Attends, attends, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. C'est quoi ça? Ils en ont tué, mais ils ont pas tout tué. Ça se passe comment là?
Ils ont commencé à tuer les éléphants, et puis au final ils se sont dit non, pas besoin. Pardon? J'ai du mal avec le principe. Tu peux aller. Attends. C'est quoi ça? Ah oui, c'est des lanciers, je suis con. J'étais persuadé que c'était des unités. Ah, j'y vois rien avec ce brouillard en plus. Là, ils se prennent des salves là-bas. Ils se prennent des salves là, concentrés. Hop. Oh 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 oh. Allez, fonce sur tes alliés, toi. C'est le même principe, hein. Général, les gars, pas de soucis. Allez, faut tirer là-dessus, par contre. Nous visons avec fidélité. Cavaliers, avancez. Là, eux, là, s'ils restent en mode escarmouche, tout seul, ils vont arriver sur le bord de la map, ils vont faire... Ouais, exactement comme eux, hein. Ils sont en mode oui mais je peux plus reculer donc voilà. Ils sont anti enflammés, tir de basse. Et on voit général, c'est pas mal. Mais il prend rien, c'est fou. Attendez, voilà, là, là. Eh, non, mais... Au bout d'un moment, faut arrêter aussi, hein. Conneries. C'est au petit déjeuner et après stop. Ah, d'accord, ils sont fait prendre, c'est pas grave. Voilà, hop, un petit coup de draco. Là ils sont censés tirer là, comme des... Non mais... Ah, je te dis de tirer, je te dis pas de, d'engager au corps à corps, mais quel abruti. Ah, oh, c'est abrutissant ça. Et puis obéissance 0 sur 20. 0 sur 1000, 0 sur 100, au choix. Bon, eux. Allez les gars, on tire au bout d'un moment quoi. Ce sera bien de tirer. Genre même plus pour faire semblant, t'as vu, trollolol, MDR, on s'amuse. Voilà, non, ça tire pas, non, oui, peut-être, non. Ils tirent pas, les gars, en même temps. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ces unités-là? Ils ont le général ennemi devant eux, ils sont en mode. Ah, oh, ouais. Non, bah, c'est pas grave. Hein. Bah, si. Ah, oh, le mode escarmouche. Oh, c'est vrai. Aïe, aïe, aïe. Il y a des joueurs comme ça, ça se passe pas bien. Voilà, un petit coup de morale là. Attends, il est immortel. Ah, oh, il est aussi immortel. C'est bon, tirer. Ouais, bof. Hein. Pardon. Voilà, on a eu ces unités là-bas. Allez, retournez dans le tas, les gars. Faut tirer, au bout d'un moment, faut faire un peu de. Méritez votre salaire, les gars. Ah, mais. Hop, excusez-moi. Bon, eux, ils servent à rien. Ah, j'ai une armée là, putain, ils font grève. Hein.
moment d'éternuer, mon gars. Pas du tout. J'ai pas une unité là qui... Ouais, mais... Oh, ça c'est de la charge. Hein. C'est charge au ralenti. Ah! Voilà ce que j'expliquais tout à l'heure, ça emmène en bordure de map. Qu'est-ce qu'il fait? Mais stop! Mais arrêtez! C'est pas vrai ça. Ah, je manque de munitions. Je manque de munitions, mais c'est une partie que je suis pas obligé de remporter. Donc, hop, allez. Ah oui, non, mais d'accord. Oui, non, mais. D'accord, je t'ai pas donné un ordre, toi, par hasard, genre, te le... il y a 20 minutes. Peut-être pas 20 minutes, mais. Voilà. On a bien bousillé leur armée. Trois quarts de perte pour eux. Je suis dixième pour moi, je suis pas loin des trois quarts non plus. Bon, ils ont perdu beaucoup plus d'unités. Et on s'en est toujours, je m'en suis encore tué 130 gratuitement. Vaillante défaite, donc. J'ai réussi à bien esquinter au moins l'armée ennemie. C'était le but original. Bon, j'ai eu un peu trop de pertes pour mon objectif, on va pas se mentir. J'ai perdu une grosse partie de cette armée. Je vais vite avoir besoin de mon armée là qui se lève là-bas. Donc, hop, c'est parti pour un gros recrutement. J'ai pas trop le choix. Hein. Il est fort probable que Ekbatan tombe. Si elle ne tombe pas, c'est un peu le miracle parce que là, enfin, il y a une armée presque complète ici. Et bon, un reste d'armée, un résidu d'armée. Hein. Mais il reste quand même une armée. Ok, lui, il a fait tomber ça. Bah, ce que je vais faire, hein, c'est simplement, elle ne sert plus à rien, quoi, cette armée-là. Donc je vais dissoudre. Je la dissous. Voilà, parce que je m'entends relativement correctement avec les marques. Mangeons et buvons. Voilà, ça va peut-être un peu trop encore, faut pas déconner. Voilà, eux ils sont presque bien rétablis. Un tour à tout péter, deux peut-être. Un tour. Voilà, donc je vais aller piller Nicomédia avec eux. Enfin, efficacement, on va aller chez lui. On se fait pas attaquer par là, c'est bon. Là, c'est en recrutement. J'ai toujours pas pu développer mes villes, hein, ça c'est affreux. Mais c'est comme ça. Allez, on passe le tour. Et on va voir ce qui va se passer. Ok, pas le mire ne fait rien. Les marcomans, ils sont contents. Ça rime. Bactrib, ils ont plus rien à faire. Les présages de péril. Ils ont rien à faire. Hop, et Batan, assez géant, comme on disait. Reddition imminente déjà. Alors, est-ce que si je me mets en marche forcée. Attention, là il y a des petites résidus d'armée encore. Je sais pas si ça va passer. Ah merde. Oh sérieusement. Oh là là. Eh ben ça va pas passer les gars. Like Batan tombe. Hélas. J'avais pas vu. Hein. Bah, ce que je vais faire.
déjà c'est que je la remplace par E. Faut pas déconner. Voilà, on va pas perdre un de mes généraux. Vivement qu'ils soient prêts. Ils vont bientôt être prêts. D'ailleurs, allez, hop, on va les rapprocher de la frontière. On a toujours ça de gagner. Voilà. Ici, on va les faire avancer. C'est le moment. Le moment est venu, les gars, pour vous. D'aller embêter un peu le voisin. Ici. On va augmenter un tout petit peu la taille de l'armée. Au cas où. Voilà. Une voie du vigilant. On va avancer en embuscade ici. Voilà, si on peut éviter de se faire voir. Une bonne petite attaque surprise là sur Nicomédia, ce sera pas mal. Sachant que, oh la vache, attends, il est limité là, Nicomédia. Ah ouais, ça déconne zéro. Je pourrais même aller prendre plus tard Phasis. D'ailleurs, je vais renommer là. Je viens d'avoir une idée. Alors, moi j'adore, c'est mon type d'humour, mais c'est spécial. Carte sur les tables. Voilà. Essayez, pour ceux qui aiment le challenge, essayez de voir qu'est-ce que j'ai fait comme jeu de mots. Voilà, suffit juste de le dire à voix haute, un peu vite, et ça passera. Ça passera tout seul. Alors, je vais juste voir à combien de temps on est de vidéo. J'ai oublié de noter, hein, comme d'habitude. Tac, tac, tac. Vous savez quoi? On a déjà fait 3 batailles. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein. On a une très très belle victoire. Ici. Oula. Victoire Subactrice, c'est là. Bien. Donc très très belle victoire à cet endroit. Notre armée est prête le tour prochain. Enfin, ça fait 3 épisodes qu'on les attend. Donc nos mots fléchés, je crois, oui c'est ça. Qui sont prêts le tour prochain et qui sont déjà, ils sont boostés à fond. À part le général, ils sont boostés à fond. Allez, on se retrouve demain pour le prochain épisode. Je vous remercie à tous d'avoir suivi. C'était Thiob. Ciao.